je vais maintenant vous présenter des exercices d'auto-rééducation de l'épaule, effectués uniquement en cas de tendinopathie. Attention, on n'est pas le droit de faire ces exercices si vous avez opéré la coiffe, ça risquerait de trop tirer sur vos sutures. Donc, tout d'abord, on va commencer par la mobilité des omoplates. C'est-à-dire qu'on va faire des mouvements comme ceci. Donc, on arrondit le dos, on écarte les omoplates, on essaie de venir les faire toucher. Donc, de profil, ça donne ça. Dos rond comme ceci, et je viens faire toucher les omoplates en arrière. On va doucement et on effectue ce mouvement 15 fois. Ensuite, on va travailler donc la flexion d'épaule. Main jointe comme ceci. On met les mains sur la tête. On tend les coudes et on essaie d'aller chercher en arrière. Ça doit tirer au niveau de l'épaule. On tient quelques secondes. On relâche, on pose les mains sur la tête et on redescend complètement. Donc comme ceci, je mets les mains sur la tête. Je tends les coudes le plus possible. Je vais chercher en arrière. Je repose sur la tête et je relâche complètement. Pareil, nous effectuerons ce mouvement 15 fois. Ensuite, on va travailler l'étirement de la capsule postérieure. Donc derrière l'épaule, comme ceci. Donc je vais prendre le bras malade, coude tendu. Je ramène le bras vers l'épaule opposée, comme ceci. Donc je vais avoir un mouvement d'adduction de l'épaule. Je garde le moignon de l'épaule bas. Il ne faut pas que ça remonte comme ça, il faut qu'il soit bien bas comme ceci. Je tire donc 10 secondes et je vais recommencer ce mouvement 10 fois. Ensuite, on va travailler les rotations que nous alternerons avec des flexions, c'est-à-dire que de profil. Avec la main qui va bien, je vais lever le bras malade. Je vais chercher le plus loin possible en arrière jusqu'à ce que ça tire. Puis je redescends doucement. J'aide à la descente s'il y a un petit peu de douleur. Puis je vais alterner donc avec une rotation interne d'épaule, c'est-à-dire que je vais emmener la main dans le dos, comme ceci. Ça doit tirer légèrement devant. Pareil, je tiens quelques secondes. Et j'alterne donc ce mouvement. Flexion d'épaule, je tiens quelques secondes, je relâche tout doucement et je vais chercher la rotation interne d'épaule. Le plus haut possible, donc on peut aider à l'aide de l'autre main à venir pousser un petit peu la main vers le haut, comme ceci. Pareil, nous effectuerons ce mouvement 15 fois, à faire une fois par jour au maximum.